Le Conseil local des réformes, c'est un endroit où on va pouvoir travailler et discuter. Lorsque des lois sont votées ou lorsqu'elles sont en préparation, eh ben c'est une opportunité en amont de faire redescendre ces lois sur le territoire et de discuter avec des gens qui ont la compétence, qui peuvent être des citoyens, des associations, des élus locaux ou toute personne compétente sur le sujet. Elle discute avec son député. Ça permet au député de remonter après au Parlement pour poser des amendements, pour faire évoluer la loi. En aval, une fois que la loi a été décidée, qu'elle a été votée, ce qu'il faut faire, c'est l'appliquer et puis la faire comprendre. Donc le rôle du député en local, c'est de dire la loi a été votée, mettons-nous autour de la table avec ce Conseil local des réformes pour l'expliquer, faciliter la compréhension et puis la mettre en place pour qu'elle soit efficace. Le pire, c'est de faire des lois qui soit ne sont jamais appliquées ou qui n'ont pas de sens ou qui ne sont pas comprises par les habitants et par les citoyens. Donc le Conseil local des réformes, c'est ça. Le Conseil local des réformes va m'aider à faire mon travail de député de façon efficace, parce qu'on est toujours plus fort quand on prend les idées des élus, des associations et des citoyens. On a des experts sur nos territoires, il faut leur poser la question, et c'est ces experts qui vont permettre de faire en sorte que mon travail sera mieux fait, parce que ça ne sera pas que mon point de vue, mais ça sera bien le point de vue de l'ensemble du territoire qui remontera au Parlement et qui me permettra d'apporter des amendements ou des modifications sur la loi proposée. Ce n'est pas mon habitude, du coup, de ne pas faire ce que j'ai dit. Donc, dès que je serai élu, je mettrai en place ce Conseil local des réformes en fonction des sujets. Et tous les gens qui ont une compétence sur le thème abordé seront bienvenus.